Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans ce tuto, je vais te montrer comment brancher un thermostat d'ambiance programmable, tu vois. Donc c'est ça. Donc là, tu vois, on est sur un modèle Deltador. C'est un petit thermostat basique, tu vois, ça coûte, je crois que si je te mens pas, ça doit coûter 70 euros peut-être hors taxe. Donc tu vois, c'est un modèle comme ça. Donc là, celui-là, il est programmable, donc on va voir ensemble. Mais surtout, c'est pas vraiment la programmation que je vais te montrer parce que ça sera en fonction de la marque du produit que tu vas utiliser. Et ça, honnêtement, bah, il n'y a que la notice qui l'expliquera mieux que moi. Donc après, moi, je t'invite vraiment à te référer à la notice pour suivre la programmation, on va dire, de ton module, tu vois, en fonction des jours, de l'heure, etc. Comment tu veux chauffer telle zone. Enfin, voilà, quoi, t'as compris, patati patata. Moi, ce que je vais te montrer, c'est principalement le branchement. En fait, le branchement, il fonctionne exactement pareil que le branchement avec une horloge pour le chauffe-eau ou bien le contacteur jour-nuit, tu sais, avec l'impulsion envoyée par EDF avec tes deux petits fils pilotes. C'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir une horloge, on a un programmateur, enfin un thermostat, c'est-à-dire que au lieu d'envoyer une condition d'heure, tu vois, comme une horloge le fait avec le contacteur chauffe-eau, même si on a aussi cette option. En gros, on va principalement gérer une température, c'est-à-dire que si tu veux 20 degrés et que ta pièce elle a 19, lui il envoie l'impulsion en disant attends, là il fait froid, faut que tu chauffes. Comme à l'inverse, si par exemple tu arrives à 19h et que tu veux que ton chauffage il s'arrête à 19h05, et bah dès que tu vas arriver à 19h05, lui il va dire attends, c'est bon, tu as assez chauffé, tu stops. Voilà, donc ça c'est un petit peu c'est de la programmation, ça reste de l'électricité basique, comme ça peut rentrer un peu dans le cadre de la domotique si on veut. Mais c'est super intéressant de venir le brancher. Pourquoi? Parce qu'avec un contacteur, tu vois, là un contacteur de puissance, très important. Donc là en modèle Resi9, tu vois, on a les broches pour venir directement clipser sur le disjoncteur qui prend la charge en fait du radiateur. Ce qui va être peut-être plus intéressant, tu vois, c'est que tu vas pouvoir regrouper en fait deux radiateurs sur cette commande. Tu vas pouvoir lier par exemple deux radiateurs de chambre uniquement sur ce contacteur, puisque lui il est capable d'avoir une intensité maximale de 20 ampères. Donc si tu as deux radiateurs de 10 ampères, tu vois, genre deux radiateurs dans deux chambres, bah hop, tu peux les commander avec ça, avec un seul thermostat. Bon, je t'avoue que l'exemple il n'est pas fou parce que si tu mets un thermostat dans une chambre et pas dans l'autre, est-ce que l'autre sera chauffé exactement pareil? Tu sais pas. À l'inverse, si par exemple, voilà, tu mets un thermostat, tu vois, dans un bureau qui fait 30 mètres carrés et que tu as deux radiateurs, tu pourras contrôler avec ça sans aucun souci et gérer deux radiateurs avec bah, ce 20 ampères qui lui est capable d'encaisser deux radiateurs de 10. Voilà. J'espère que tu m'as compris. C'est franchement pas compliqué. On va voir tout de suite comment on passe à la mise en place de ce produit. Donc là, déjà, le thermostat, lui, il va aller sur une boîte, donc dans une pièce qui est destinée à gérer ton radiateur. Donc là, moi, j'ai passé un fil. Donc là, pour passer un fil, je te l'ai pas filmé parce que voilà, il n'y a rien de sorcier. C'est un petit fil, je crois. Là, on est sur du 1 mm, je crois. Ouais, ça doit être du 0,75 ou 1 mm, c'est pas très gros. Là, c'est pas très très grave parce que lui, en fait, il envoie qu'une impulsion. Il envoie pas de puissance, tu vois. Il vient juste gérer de la commande. Donc, t'as pas besoin d'avoir un 2,5 pour ça. Et ensuite, on va venir récupérer tout simplement notre radiateur, donc qui est ici, et on va pouvoir déplacer tout ça pour pouvoir le brancher sur notre contacteur. Alors, tu vois, l'installation, elle se fait en deux étapes. Déjà, on va couper le jus ici et on va couper le jus ici. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement venir, tu vois, déplacer. Donc là, on va déplacer les disjoncteurs. Donc bien sûr, quand tu apportes une modification à ton tableau, tu n'oublies pas de le reporter sur tes étiquettes parce que là, du coup, ça n'a plus rien à voir. Ensuite, on va remettre ça. Alors, je vais le clipser simplement pour pouvoir appuyer dessus, tu vois. Et voilà, redéfaire les fils. Ensuite, tu reprends ton disjoncteur. Hop. Donc une fois que tu as défait, là, tu vois, tu gardes tes fils sur le côté. Donc ceux-là, tu vas revenir en fait les brancher directement sur 2 et 4 de ton contacteur. Forcément, la puissance, elle repartira que après avoir reçu donc la commande. Donc là, tu vois, on avait directement le petit raccord, tu vois, qui est fourni pour venir te clipser directement sous ton autre disjoncteur. Bon, vu que là, on est sur quelque chose en automatique, on peut pas s'en servir. Donc là, on fera un pont manuel, c'est-à-dire que tu prends des petites chutes et tu fais passer de ton disjoncteur à ton contacteur directement le courant. Donc là, dans mon cas, j'enlève ça, hop, je l'ai posé, tu vois. Je vais venir clipser
Donc comme tu peux voir, c'est tout bête, hein. Je reclipse simplement ça et celui-là, pareil. Voilà, donc là, j'ai mon contact. Je vais faire un petit pont. Donc là, tu vois, pour faire un petit pont, et bah, tout simplement, alors attends, on va remettre ça en place. Donc là, je vais partir du neutre pour aller sur le 1 et je vais partir de la phase pour aller sur le 3. Voilà, là, on refait la même chose, mais avec la phase. Voilà, hop, tu fais ça propre. Ensuite, comme je t'ai dit, tes fils de ton radiateur, là, tu viens les mettre le neutre sur 2, ou à gauche, hein, du moins, je ne sais pas si, si tu utilises une autre marque, si tu as les mêmes chiffres. Normalement, oui, mais bon, on ne sait jamais. Donc, voilà. Voilà, donc là, maintenant que tu as fait la partie puissance, on va venir faire la partie commande. Donc là, moi, tu vois, j'ai plus de disjoncteur de 2 ampères. Ce qui aurait été bien, c'était d'en remettre un pour vraiment tout bien dissocier. Bon, là, pour l'exemple, moi, je vais repiquer sur la VMC. Donc, je vais repartir du neutre. Je vais venir alimenter ma bobine, donc en A2. Ensuite, je vais prendre la phase qui va venir, elle, alimenter mon thermostat là-bas qu'on raccordera par la suite. Et le retour du thermostat reviendra sur A1 pour venir faire ce fameux contact, tout simplement. Alors, pour que tu comprennes bien, déjà, on va couper ça. Là, tu vois, j'ai pris donc, un fil bleu, tu dénudes, hop, tu passes. Alors forcément, quand tu arrives à la fin, c'est toujours un peu plus compliqué pour passer tes fils. C'est bien quand tu peux le faire directement dans la foulée. Donc là, tu alimentes le neutre. Ton neutre, lui, il revient alimenter, comme je t'ai dit, ta bobine de contact. Donc là, hop, tu dénudes. Alors j'essaye de te montrer au mieux, mais je suis bien obligé de placer mes doigts. Voilà, maintenant la phase. Donc là, tu vois, j'ai pris un fil noir. Donc là, on repart du 2 ampères. Alors là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je suis obligé de passer par des petits wagos, tu vois, à clips, parce que là, moi, je suis sur un fil souple. Donc comme tu sais, le fil souple, il ne peut pas rentrer dans le disjoncteur. Donc je passe par un wago pour pouvoir faire mon contact. Donc là, hop, on va refaire la même. On reprend ça. Alors, vu que j'ai un petit trou, je vais faire la connexion ici. Comme ça, je te montrerai tout ça ensuite. Je viens la clipser. Donc, directement à la phase, donc là j'aurai la puissance qui arrivera là-bas, c'est impeccable. Et maintenant on va faire pareil avec celui-là. Donc celui-là, là c'est le retour. Hop, et celui-là tu viens le mettre en A1. Voilà, parce que là c'est lui qui vient renvoyer le contact. Voilà, donc là tu vois, on a pris notre alimentation ici sur un 2 ampères. Le neutre, il arrive directement là en A2. Ensuite, la phase, elle vient alimenter donc le fil qui va aller alimenter le thermostat directement. Et le retour du thermostat, tu vois, qui arrive en blanc, lui, il vient renvoyer sur A1. C'est lui qui va gérer en fait le contact. Et une fois que le contact il est enclenché, et bah, tu as la puissance qui repart directement ici à ton radiateur, tout simplement. Donc là, je vais laisser pour le moment baisser parce que j'ai pas câblé de l'autre côté et on va aller brancher tout ça. Donc là, ici, c'est tout simple. Alors attends, on va déjà enlever, tu vois, il y a un petit scotch là. Je vais enlever parce que il y a les piles forcément. Donc là, tu viens le mettre, tu vois, tu as l'avantage, c'est que c'est prévu pour les petites boîtes comme ça. Donc là, tu peux mettre ça sur une boîte classique. Voilà. Ensuite, hop, et là, on n'a plus qu'à venir connecter donc les fils. Donc une fois que tu en es là, tu vois ici, tu as 3 connexions. Donc là, tu te réfères à la notice, tu n'as pas trop le choix. Donc là, tu vois, la notice, nous, on vient prendre, donc on travaille sur ce modèle-là, là, le T-Box, tu vois, 1117. Donc là, il parle d'un circulateur. Bon, nous, un radiateur, c'est exactement la même chose. Donc là, tu vois, tu as les 3 contacts. Donc là, tu viens te brancher tout simplement en 2 et en 3. Tu vois, tu as la phase, donc nous, ça va être le marron, il va venir en 2. Et ensuite, on va avoir le neutre, en fait, qui passe par le radiateur, tu vois, c'est ce qu'on a branché et qui revient en 3.
Donc après, moi, je te montre ça, tu vois, avec ce produit-là, mais c'est vraiment en fonction de chaque produit, hein. Tu n'as pas le choix de te référer à la notice, hein. Après, le schéma électrique, lui, reste toujours à peu près le même, hein. C'est le même principe. Si tu sais lire un schéma électrique, de toute façon, tu pourras brancher n'importe quoi dans ta vie. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu viens refermer donc ça. Alors, on peut remettre, tu vois, il y a une petite vis, on peut venir. Ensuite, et ben là, tout simplement, tu mets les piles. Voilà. Donc là, je pense que voilà, tu vois, il s'est mis en route. Donc, tu peux venir le reclipser. Alors, faut faire attention, tu vois, là, par exemple, ici, tu vois, j'ai des petites broches. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que je vienne le connecter comme ça. Et ensuite, je le branche. Là, tu vois, là, tu as la connexion ici. Voilà. Ça, c'est ce qui vient directement faire ta liaison entre les deux. Donc voilà. Et voilà. Alors ensuite, bon bah, je suppose qu'on va paramétrer. Alors attends. Bon bah, tu sauras quel jour j'ai tourné ce tuto. Voilà. Donc là maintenant, eh ben, tu peux venir. Donc là, on va se mettre. Là, je suis éteint. Tu vois, il fait 19,3 dans ma pièce. Maintenant, je vais mettre le courant là-bas. Donc là, tu vois, on est éteint. Le contact, il est sur off. Du coup, tu peux essayer d'allumer. Enfin, ton radiateur directement, il n'y a rien qui se passe parce que lui, il n'a pas de courant. Donc là, on va venir passer bah, simplement, tu vois, hop, en auto. Tu vois, je me suis mis en, même pas en auto, je me suis mis en manuel, tu vois. Du coup, tu as écouté le contact, il s'est mis en route. Donc, il doit être, voilà, il est rouge. Et du coup, on a du courant. Donc, lui, il est en train de signaliser, forcément. Donc là, tu vois, il est en train, bah, voilà. Donc là, je l'ai allumé parce que maintenant, il a du courant. Donc là, tu peux lui demander si tu veux. En fait, tu peux mettre 25. Quand lui, il va arriver à la température demandée. Si par exemple, voilà, je reste sur comme ça. Là, je lui demande. Alors, attends, ça a bougé. Voilà, là, on est sur 19. Donc si on lui demande 19, ok, là, tu peux modifier ta consigne. Tu vois, là, par exemple, à 19, il était en route. Si je lui mets 18,5. Voilà, tu vois, il a redéclenché parce que pour lui, il n'y a pas besoin. Et si maintenant tu redemandes, eh ben, 19, hop, tu redemandes 19, hop, il va le remettre directement en route. Ok. Peut-être pas demander assez, c'est peut-être un peu trop juste. On va demander directement, allez, 20. Hop, ce sera plus flagrant, je pense. Et voilà, tu vois, il redemande à chauffer, donc il remet en route directement le radiateur. Voilà, et lui, il se relance tout simplement parce qu'il est sur une commande basique, donc il se prend pas la tête, il repart. Donc ça, tu peux venir vraiment réguler en fait plein de choses. Hein. Tu peux réguler un circulateur sur une chaudière, tu peux réguler, tu peux faire tout et n'importe quoi. Hein. Tu pourrais brancher une VMC dessus, tu peux brancher, tu peux gérer à la fois des heures parce qu'après voilà, tu peux basculer donc sur des programmations, tu vois, automatiques où là tu vas lui demander de chauffer en fait sur des créneaux horaires. Donc c'est-à-dire que si tu es là, tu pars au boulot à 8h, bah lui, tu peux lui dire à 8h15, hop, c'est bon, t'arrêtes, je suis pas là, ou même à 8h moins le quart, tu vois, ça sert à rien. Par contre, je rentre à 17h, donc à 16h, tu me remets le chauffage en route pour que quand j'arrive, tu vois, ça fasse chaud. Donc ça, tu peux le faire, tu peux t'amuser à programmer en fonction des jours de la semaine ici et des heures du jour et de la nuit ici. Voilà, donc ça, après, pour ça, je t'invite à suivre directement, en fait, la programmation liée avec la notice, hein, parce que là, c'est elle qui va vraiment te dire, t'appuies là, tac, 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 tu programmes les jours et tout. En soi, c'est quand même assez simple, tu vas pas te perdre. Et si par exemple, voilà, tu vois, donc là, je suis repassé en manuel, il a reclaqué, il s'est remis en route. Et si par exemple, après, tu veux bah, partir en vacances, tu peux te mettre directement ici. Donc là, tu vas aussi avoir une position. Donc, je pense là, c'est programmation, tu vois, tu peux le relancer en fait à partir d'un jour. Tu es en vacances, tu n'es pas là, tu rentres, je sais pas, le 3 mars. Et bah lui, le 3 mars, tac, il pourra se remettre en route directement. Et là, tu peux carrément venir l'éteindre. Donc là, tu vois, il est éteint.
c'est nickel. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère que tu auras compris le principe de ce petit thermostat d'ambiance, donc qui peut te permettre de vraiment de réguler un petit peu mieux qu'un radiateur, parce qu'en fait, lui, tu vas pouvoir le déporter de ta zone de chauffage. Si ton radiateur il est placé sous la fenêtre, tu vois, tu vas peut-être pouvoir mettre ça directement à côté de ton canapé, à l'autre bout, sur un autre mur. Et du coup, tu pourras commander, si tu veux avoir 20 degrés, tu vois, à ton canapé qui est à 4 mètres du radiateur, et bah peut-être qu'au radiateur, en fait, lui, au réel, il y aura peut-être 22, 23, mais si toi tu vas avoir un ressenti de 20, et ben c'est peut-être la différence qu'il faudra avoir pour avoir la température souhaitée là où tu es. Donc ça, c'est vraiment très bien pour pouvoir gérer un petit peu mieux son chauffage chez soi, on va dire. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as compris. C'est pas compliqué, mais c'est pas toujours évident parce que ça dépend vraiment du modèle que tu utilises et qu'est-ce que tu veux faire avec ou pas. Parce que voilà, en électricité, tu es quand même ouvert à différentes manières de brancher ces choses-là pour pouvoir les faire fonctionner. Comme je te disais, on rentre un petit peu dans... Ça reste de l'électricité, c'est de la programmation, on est à la limite de la domotique, donc tu as quand même pas mal d'options faisables. En tout cas, j'espère que ce tuto t'aura plu et t'aura fait découvrir ce branchement et peut-être que tu t'aventureras à faire ceci. Moi, je te le souhaite, je l'avais déjà réalisé plus jeune, moi, dans un appartement et ça m'avait permis de faire des économies parce que bah, tu gères beaucoup mieux ton chauffage, hein, tout simplement. Hein. Quand t'es pas là, il se met pas en route et au moins, t'es tranquille. Ou alors, tu peux lui demander des consignes un petit peu plus basses de manière à réduire ta consommation. Voilà, bah écoute, moi maintenant je te dis bon courage et à toi de jouer.